Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Le Navigateur sur OpenVerse 4. Une série dans laquelle on a découvert l'Eldorado et hérité de plein de pognon, on peut faire même des manufactures si on le souhaite. Je pense qu'il y a vraiment actuellement mieux à faire quand même, parce qu'on a deux trucs d'impôts qui sont ouf. Honnêtement, ça c'est deux provinces qu'on va garder mine de rien, donc le 0,26 et le 0,20 on prend aussi. Puis après c'est un peu moins intéressant que d'autres. Les chantiers navals, pourquoi pas. Ouais, on va continuer. Continuons à faire des bateaux. Hein. Je pense que ça peut être intéressant de faire des bateaux pour nous vraiment devenir ouf sur le nombre de bateaux qu'on a et sur la puissance commerciale qu'on génère dans notre province de base. Je pense que c'est une bonne utilisation de notre argent. On va aussi. On peut pas là. On va aussi peut-être faire un. Encore un comme ça. Et puis après, on garde le reste du pognon pour autre chose. Très bien. Nickel. Alors, revendication perdue. C'est où ça? Ok. Peut-être intéressant d'en refaire. Vaguement. C'est pas comme si on utilisait nos diplomates. Ouais, pour venir de Castille, hein, où on a des trucs qui sont déjà bien clairs. Et puis aller au Mali pour continuer de ce côté-là. Ici. Bon, c'est toujours le même, et c'est toujours un endroit qu'on se moque un peu pour le moment. On va avoir fini notre colonie maintenant, là, c'est très très bien. Super, donc tu vas aller là maintenant. Très bien, on peut prendre... Ah, intéressant. Alors, ça, bon, pourquoi pas, ça... l'expansion agressive, ouais, c'est qu'on est tellement agressif qu'il faudrait faire ça. Un transfert de dépendance, on s'en fout. C'est notre capitale, c'est quoi comme terrain? Des plaines, quoi. Des prairies. Bon, vous me direz, le jour où on attaque la Castille, ce serait pas mal d'avoir un truc comme ça. D'accord, que j'ai envoyé un gars là. Pourquoi il est pas allé? Ah, parce que j'ai pas pu cliquer là-dessus, donc on va... Hop. Ok, soulèvement indigène, a priori on est placé. Nouvelle terre disponible. Alors, Diego Garcia, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, honnêtement. Hein. À part son placement géographique. Bon, vous me direz, on l'a amélioré, vu que c'était une nouvelle colonie dans l'ère des colonies. La production est intéressante à voir, de toute évidence. Puisque c'est une... Je pense que c'est parce que c'est ça, en fait. Parce que c'est une compagnie commerciale que la production est excellente, est intéressante. Donc, ouais, vas-y, fais-moi de la production. Naissance du colonialisme. Et c'est pas chez nous. Ok, relou. Très relou, franchement. Je pense qu'il y a... C'est en Castille, quoi. Non, ok, d'accord. Relou. Franchement décevant, honnêtement. Mais bon, tant pis, ça arrive. C'est très facile, il suffit d'avoir découvert l'Amérique, hein, ça veut pas dire qu'ils ont des colonies ou quoi que ce soit. Hein. Ok, alors, la Sainte Inquisition. Ok, instituons-la. Gain de 20 d'influence chez le gars, coût des technologies est plus important, c'est embêtant. Puissance des missionnaires est augmentée, ok. Ou refusons de l'instituer. Non, allez, vas-y. Tac, ça nous permet d'aller chercher notre stab chez Mister Pape, là. Hop. Super, c'est cool. On en est où sur les troupes? On peut refaire une troupe de plus. Vas-y, Francky. C'est très bien. Et puis les bateaux. Bon, pour le moment, ils sont pas encore pop. On va attendre qu'ils aient pop. Faire du bien, globalement. Ok. Please. Alors, mousson désastreuse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tac, perdre de l'argent ou... Je sais pas ce que c'est, Canara, mais je pense qu'on va prendre 10 de dévastation dedans. Et on peut augmenter la valeur de Saint-Vincent sans hésiter une seconde. Très bien. Alors, vous allez là. Tu vas là. Tu vas là aussi. Et tu vas aller... Toi, tu vas directement protéger le commerce à Séville. Ici, on continue. On fait plein de light dans tous les sens. Hop, 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 hop. Super. Mort de notre philosophe, Francisco Pimentel. Ok, on en est où? On est vraiment tranquille. On a besoin des points de mine. On a bien besoin des points de mine, honnêtement. Pourrait être intéressant d'aller chercher un niveau 2. Puissance des missionnaires, pas très intéressant. Productivité, un peu plus, mais plus cher. Hmm.
donne-moi celui-là. Puis on voit qu'on est vraiment tranquille de ce côté-là, pas de soucis. Fate d'un marchand. C'est où? En Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans. Bon, on peut se permettre les points diplôme. L'argent, on l'a, les points diplôme, on les utilise pas trop. Donc pourquoi pas. Si je fais ça, juste. On en est où là maintenant? On est à 3 attaques. 3,54 si je fais ça. Ça va, on peut se permettre. Et en plus, il y a, j'avais pas vu, mais il y a deux transports là-dedans. C'est un peu stupide. Autant utiliser nos transports aussi, ça peut être pratique. On n'a pas besoin, à mon avis, on n'a vraiment pas besoin d'être 4. Je pense qu'on peut déjà faire ça, comme ça on s'évite les problèmes au cas où. Et puis, on pourrait même, à mon avis, être un peu moins. Ce qu'on peut aussi faire, c'est être sûr qu'au Brésil, on a un peu plus de monde, pourquoi pas. On est en train de faire, on va faire une revendication chez eux là. Ils ont des alliances, sont alliés aux Tapuyas. Ok. On peut peut-être aller chercher. Ah mais non, je peux pas déclarer la guerre. Je peux pas déclarer la guerre. Laissons le temps passer. Je vous propose. Voilà, voilà, voilà. Le Mali. On peut faire une revendication au Mali. Faisons une revendication au Mali. Sur ça ou ça. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc faisons une là-dessus pour le moment. Voilà, on refait notre revendication. Nos colonies avancent, mais ça reste quand même assez lent. On a un nouveau bateau ici, tu vas faire comme tout le monde. Ah non, tu vas pas faire comme tout le monde, du coup, t'es un vaisseau amiral. Donc tu vas faire du bien au commerce. Donc là, on est actuellement à 44 points, donc ça va faire genre 88, quelque chose comme ça, non? Ah non, parce qu'il faut que tu sois dans la même flotte que les autres. Ah, ok, attends, je vois. T'es où? Ah! T'es où mon bateau? Oh mon bateau! Hé! Hey. Voilà. Passé à 52% et à 92% trucs ici. Très bien. Donc, c'est une bonne chose. Notre commerce devient assez ouf quand même. C'est très 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 bien. Ok, île du vent et Bahia. Donc ça n'a pour le moment aucune espèce d'importance. Les Espagnols me font un petit peu peur quand même, parce qu'ils y vont, hein, là maintenant, ça y va. Je ne dirais pas qu'ils sont plus rapides que nous, mais... On devrait quand même y arriver, mais ils ont quand même, ils gardent leur avance, on va dire ça comme ça. Hein. Et ça va plus vite. Et pas forcément besoin d'être 4 non plus ici. On peut encore en faire 2 tranquille sans qu'il y ait de problème. Je propose d'aller ici chercher des troupes là. Ok, bateau, bateau, bateau et bateau. Et toi tu vas aller rejoindre ici aussi. Yeah, 53%, très bien. Yeah, soulèvement indigène, pas de souci. Ok, et ok. Alors, ici, ben, vous deux, vous pouvez aller par là. Et puis, on va peut-être pas laisser 14 partir, mais on peut peut-être en remettre 4. Qu'est-ce qu'elle est composée comment? Elle est à 2-2, donc on peut mettre simplement 4 troupes de base. 4 soldats. Vous pouvez attendre un mois. Voilà. Vous allez ici, très bien. Notre légitimité qui tombe, quoi. Ça, c'est un peu embêtant, par contre. Des raids sur nos côtes, ça, c'est toujours embêtant aussi. Ok. Production de tabac. Nouveau pape en Autriche. On peut refaire. Non, on peut pas refaire. On peut attendre que se bouge à un autre endroit. Et puis on pourra refaire là une revendication quand ils se bougeront ailleurs. On va garder le réseau d'espions chez eux. Peut-être intéressant. Soulèvement indigène. A priori, on check, mais ça joue. Ici, on peut continuer. Ouais, ça nous donne un marche en plus. Je suis pas sûr que ce soit déjà hyper utile, mais c'est une bonne chose. Et puis, ça nous donne une relation diplomatique de plus, au cas où. Et bientôt, le colonisateur de plus, ça va être importantissime, évidemment. Ils en sont où, les Castillans, typiquement, de ce côté-là? À voir, ils ont donc 2, toujours. Hein.
Ouais, ils ont pas encore chopé leur colonisateur de mission. C'est bien ça. Par contre, ils sont sur expansionniste exploration à 5. Ouais, ils auront bientôt un de plus aussi. Hein. Donc, ils peuvent même se retrouver, si ça se trouve, à 2 de plus bientôt, hein, les Castillons. Je sais pas exactement quand est-ce qu'ils chopent le deuxième colonisateur, leur colonisateur dans leur mission. Je suis à peu près sûr qu'ils en ont un. Nous, on a un marchand de plus, par contre. Alors, ça, c'est certain. Actuellement, depuis ici, on va là. Ça me paraît juste. Depuis ici, on va ici. Ça me paraît correct aussi. Depuis ici, bien sûr, on envoie là. Ça, je pense que c'est bien. Depuis ici, on envoie déjà là. Fondamentalement, pas grand-chose à gagner. Là, ouais. Là, il y aurait à gagner. C'est pas top, hein, mais il y aurait à gagner. Ou, on l'a dit... Non, mais ici, on fait déjà, en fait. D'accord. Avec notre 4%, notre vulgaire 4%, on envoie déjà ici. Ok. Je pense que depuis l'Amérique, peut-être les Caraïbes, je me dis que ça peut être intéressant. Hein. C'est quand même peu qui va. Donc on va transférer. Un âge d'or pour la culture. Un artiste niveau 2 est deux fois moins cher. Ça c'est intéressant. Tu envoies où? Tu envoies directement à Séville. D'accord, très bien. Les Français proposent un mariage royal, on l'accepte. Le gars qui vaut deux fois moins cher peut être quand même assez intéressant. Modification du coût de la stabilité, ça l'est pas par contre, mais c'est pas grave, deux fois moins cher, ça nous permet de gagner pas mal d'argent. On va faire ça, comme ça on récupère un petit peu, enfin ça change pas grand chose, et on a nos fortifications qui sont là au cas où on a un souci. D'ailleurs ce qu'on peut faire éventuellement c'est vous, on va vous déplacer ici, voilà, et on rate le coche malheureusement, mais vous continuez à vous entraîner maintenant. Très bien. On peut faire aussi peut-être quelques heavy, histoire d'avoir une flotte qui soit un peu plus intéressante, vu qu'on a à la place, enfin pas beaucoup hein, fondamentalement, mais deux petits heavy. Je pense que ça peut être pas mal. Moi, je pense qu'on a déjà pas mal de bateaux ici, donc ça roule. Peut-être un amiral pourrait être intéressant aussi. Ouais, on peut en demander un. Non, on peut pas en demander un bourgeois, autant pour moi. On peut en faire un, par contre, pourquoi pas. On va refaire un explorateur. Est-ce que c'est intéressant pour nous de refaire un explorateur? Ça donne quoi? Du prestige, la tradition navale? Et bien sûr, ça permet d'explorer. C'est vrai que ça serait quand même assez intéressant de pouvoir explorer cette zone-là, au final. Donc oui, pourquoi pas, fais-moi un explorateur. Cela dit, on va peut-être pas utiliser notre vaisseau amiral pour ça. Je vous propose, on va juste utiliser... Stop. Juste utiliser trois bateaux normaux. On n'a pas besoin d'aller hyper loin. Et lui, il nous donne quand même plein de puissance commerciale. Très bien. Ici, tu nous mets lui. Et du coup, hop. Explorer. Ce que je veux que tu explores, c'est ça. Donc, Atlantique Nord, non. Côte orientale américaine, non. Amérique sud-atlantique, ouais, c'est ça. C'est étonnant qu'il y ait si peu de missions, par contre, quand même. Mine d'or de Peralta. La famille Peralta participait à une expédition de routine à la recherche de gisements d'or lorsqu'elle a été massacrée par des indigènes dans la région du Candelaria. Seuls quelques-uns ont survécu, qui demandent l'aide de notre conquistador et des soldats de l'expédition, promettant toujours beaucoup d'or si leur famille est vengée. Tout ce qu'ils veulent, tant qu'ils versent cet or. Chance, or et diamant, quartz et pyrite. Vas-y. Quartz et pyrite. Les dépouilles des membres de la famille Peralta avaient été profanées, ce qui rendait difficile toute identification. Les enterrés prirent un temps précieux, et les éclaireurs envoyés parcourir les alentours pour retrouver les assaillants ne purent relever d'eux aucune trace. Le fils aîné des Peralta, au nombre des rares survivants, refusait pourtant d'abandonner. Il mena donc notre troupe vers la mine d'or de la famille au cas où les sauvages en auraient trouvé l'entrée. Alors qu'ils approchaient des tunnels, leurs craintes furent confirmées. La mine avait été détruite, les assaillants l'avaient fait s'effondrer et l'or était perdu. La famille Peralta fut toutefois vengée après que le groupe nombreux des attaquants eut pris par surprise et facilement tué. C'est mieux que rien, dirons-nous. Ok, on gagne 10 de prestige. L'autre option, c'était de gagner 5. Donc, bon, bah voilà. On gagne en tout cas déjà plus que ce qu'on aurait gagné de base. Elle a 7 ans, elle a fait la moitié. On a déjà plus de légitimité. C'est pas top. Ce serait bien d'avoir un peu de générer un peu de points militaires. Comme ça, on pourra la monter après. Ouais, j'irais presque à chercher un niveau 2. Par exemple, le mec discipline, pourquoi pas. Il nous faut quoi, 63? On contrôle, mais a priori ça roule. Ah, les bourgeois sont plus cool. Donc on va aller chercher les... ça, c'est important. Ça va augmenter encore notre vitesse de colonisation, ce qui est très bien.
135 maintenant. Ouais, ça devient flippant un peu hein, quand même. Je sais pas pourquoi ils vont si vite, mais ils sont bientôt à la nation coloniale, les mecs, hein. S'ils vont chercher un de plus, leur probabilité de nouveaux colons est nettement supérieure à la nôtre. Voilà pourquoi ils vont si vite. Comment ça se fait? Frontière de l'inconnu repoussée. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bon pour nous. Là 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 là, ouais, c'est ça qui est problématique en fait. C'est clairement ça qui est problématique, c'est comme ça c'est comme ça qu'ils vont gagner la course aux Caraïbes, les gens. Et on va pas pouvoir faire grand-chose, malheureusement. Parce que les clercs, je leur ai demandé ça déjà, hein, donc. Bon, c'est l'assimilation des indigènes, ça. C'est pas une probabilité de colonisation. Je peux refaire une revendication Mali. Refaisons une revendication Mali. Revenons du Mali, ça sert pas à grand-chose. Allons améliorer les relations avec le pape, c'est toujours utile. Des marchands demandent du secours, perte de 100 ducats. Ou un problème aux Açores avec moins de production locale et de l'agitation. Alors. L'agitation, ça roule, la production, c'est du poisson. Mission au Nouveau Monde se termine, on les remet tout de suite. Voilà. Ici, très bien, on voit bien les trucs, c'est cool. Ok, relou. On peut revenir. Colonialisme, on va être sur nos côtes. Enfin, on peut revenir. En fait, on peut le laisser là-bas. Honnêtement, je sais pas quoi faire, mes gars. Donc, laissons-le là. Comme ça, on est sûr d'être tout le temps maxé avec le pape. L'y laisser. Casus belli perdu. Ok. L'Angleterre a tout bouffé là. Ils s'en sortent pas trop mal cette partie. On a peut-être pu garder notre alliance avec eux. Et ils sont repartis encore sur une province de plus. Bon, les gens, c'est mort, hein, je pense. À mon avis, c'est mort. Ça va beaucoup trop vite. Marchands locaux demandent du secours. Again. Traduction de la Bible. Désir de réforme est perdu. Des gens qui nous aiment bien. Ok, on va prendre ça. Mission d'exploration achevée. Colonie autosuffisante. Casus belli. Ok, alors. Camos, ici, on va à la direct. Ah, 1, 5, mission d'exploration HV. Ok, tu explores Atlantique Nord, ça me va bien maintenant. Donc on a fait ça ici qui était très intéressant. Hop, hop, voilà, on a un colonisateur qui va aller ici. On va essayer de faire vite quand même. Malheureusement, on a personne à virer. Ici, c'est pas fini, c'est ici que c'est fini. Donc toi, tu vas aller là-dessus. Ok. Bon, une fois, on en a quoi? On en a deux maintenant, bientôt trois avec celui-là, une fois qu'on est bientôt trois, entre guillemets. Parce qu'en gros, il y en a un, deux, trois, quatre. Donc une fois que ça, c'est fini, il attend des sillas. 40%, quoi. Et nous, il faudra que celle-là soit finie pour qu'on ait tort des sillas. C'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire que nous, on doit faire 1260, pendant que lui, il fait, bon, 1000, quoi. Enfin, 950, quoi. S'il n'y a que la vitesse de colonisation qui entre en compte, c'est bon. Mais vu qu'il y a la probabilité de nouveaux colons, ça va être du hasard, et ça va probablement, vu qu'elle est tellement en sa faveur, aller dans son sens. C'est dommage. Refais-moi un EV plus. On va quand même tenter, hein. On va pas se résigner, on va pas aller ailleurs, pour le moment on va quand même la tenter. On verra ce qu'on fait le cas échéant, hein, s'il a Tordesillas là-dessus. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on continue les Caraïbes au risque de s'aliéner le pape? Ah,
Ah ouais, c'est qu'on n'a pas le colonialisme, nous. Ouais. Bon, quand on aura une nation coloniale, ça commencera à venir. Ça devrait pas tarder, hein. La nation coloniale, a priori, on l'aura de toute façon. On va quand même attendre la fin du mois, la fin de l'année, je veux dire. On va prendre ça, ça n'a pas de sens de le faire maintenant. C'est quoi? Oh oui! Je sais que c'est dommage, on va prendre du retard, mais oui, sans hésiter une seconde. D'accord, ou alors un négociant de niveau 2. Donne-moi le négociant de niveau 2. Allez, du coup, 2, 3, 4, 5, ok, c'est ça, 135, il est déjà au tiers, franchement il est déjà au tiers, nous on n'a pas fini, hein. on a fait 200, lui il a fait ça, il a fait 300, jamais on y arrive, jamais. En fait, je dis ça, en même temps là il a moins avancé que là en fait, je pense qu'il a eu un event ici en fait, je pense qu'il a eu un event ici, c'est pas possible autrement. Peut-être qu'on aura aussi un event, c'est possible. Importation de fer. Non. Le mercantilisme. Ok, colonie autosuffisante. Très bien, tu vas ici, toi. Et puis on va se remettre... du coup, au Brésil. Si on prend nos missions, juste... on doit faire une mission, c'est dominer le Brésil. Portugal et ses dépendances possèdent au moins 10 provinces entièrement colonisées dans la région coloniale du Brésil. Est-ce que c'est plus intéressant pour nous de plutôt aller... Bon, je pense que... Faisons une nation coloniale au Brésil, déjà. Comme ça, on a le Brésil, ça c'est certain. Toi, on a une revendication sur toi. On a une revendication sur toi, ça c'est très très intéressant. Ce qui veut dire qu'on peut par exemple aller là pour prendre le prochain... Ou là, carrément, qui est plus intéressant. Donc envoie-moi un colonisateur ici. On va passer en vite. Ah mais non, mais je peux pas l'attaquer. Je peux pas l'attaquer, c'est bête. Oui, bah oui. Puis on repasse en vitesse 5, parce qu'on est... Combien de temps? 10 ans. Ok, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Bon, on va s'arrêter là. Suspense, suspense pour Tordesillas aux Caraïbes. On verra si on y arrive, ça va être chaud. On va espérer que ce soit le cas. Mais j'en doute, j'en doute. Heureusement, on a eu le troisième colonisateur, ce qui veut dire qu'on a pu le faire plus vite. C'est bien. Mais voilà quoi. On verra. Mais on verra tout au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.